Open at 11:30 a.m. every Sunday, starting from next week Sunday. Also Friday, we still have our services from 7:30 to 9 p.m. The Lord has been blessing us there. There's many teachings going on there. If you have time, you come on Fridays. Amen? Are we happy? We have Thanksgiving. I will read it. It's a testimony of our brother. He sent a note, so we'll read it. Brother Mark and the whole family would like to thank the Almighty, the Lord Jesus Christ, for his love, mercy, and grace, for protecting his family all the way from South Africa to the United States. We thank the Lord. Also, we would like to thank all the saints from here and all over the world who had taken their precious time to say a word of prayer for me and my family. May the Lord richly bless all of you, especially his servants. Amen. Amen. May the Lord richly bless you. They are telling you here. And you're not happy his family is here? May you lift them on your feet. That's Brother Mike's family. Amen. Welcome them. Make them feel at home. Amen. Yes. You are welcome. We greet you in the name of the Lord Jesus Christ. I met them once, I think, right? Okay. I'm not gonna have them say their names. Since you are supposed to have fellowship, you go ask them for their names after the service. Amen? Amen. You may be seated. Also, Brother Papi. I know, of course, he cannot do that. Brother Papi also, he didn't get a chance to send a note. Brother Papi, they're not this one, because there's two of them. So that's gonna be Brother Papi 1 and Brother Papi 2 from now on. So Brother Papi 1 is going, who is also thanking the Lord for the same grace. Amen. His wife and the family is also here. Will you please stand on your feet? Yeah. Amen. We greet you in the name of the Lord Jesus Christ. You are welcome in our midst. Amen. I have a hard time with an interpreter today, so if there's a volunteer, please feel free. Amen. I have no other announcements. We're about to start the word. I don't know why the microphone is doing that. We're about to start the word. There's no any other announcement. Are we ready? Do you love the word? Amen. That's where life is. Amen. 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 Amen.
us, O Lord, and anoint us with faith enough to believe your word. As I set myself aside, O Father, speak through me, O Lord. Speak to me. Speak to my brethren. Take control of the service from the beginning to the end. O Lord God, if there was sicknesses now missed, let them be healed by your word. Because it is written, you sent us your word and it healed us, O Father. Let your word heal us completely. Let your word give us comfort. Let it bring back joy. If we lost anything, Father, let it restore it, O God. And upon the blessings that you have given us, more blessings, O Lord. We thank thee for your presence. We thank thee for your grace. Bless me, O Father, as I'll be here, O Lord. And if there be anyone, O Lord, volunteering to interpret, may we anoint them completely. Take a hold of this service. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Now, let us take the book of John 16. John 16. God bless you, Brother Mike. My voice is out, but I wanted to lead the songs today. Amen. Amen. I think, Brother Levy, you have to decrease the volume on the microphones. Je pense que Frère Levy doit augmenter de la volume. No, decrease. Oh. From the speaker. That's what will help us. John 16. John says. Verse 13 to 14. Verset 13 à 14. We read in the name of the Lord Jesus Christ. Nous allons lire le nom de Seigneur Jésus Christ. How be it when he, the Spirit of truth, is come? He will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but so whatsoever he shall hear, that he shall speak. He will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine and show it unto you. Parle constateur sera béni l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu, et tous il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. May the Lord bless you. Que le Seigneur bénisse. You may be seated. Vous pouvez asseoir. May the Lord bless you. Que le Seigneur bénisse. We have difficulties with the sound. Nous avons. But focus on the Spirit. Amen. Amen. Sound or no sound, the word is going to go forth. Amen. It's the word of life. Are you with me? That's more than the sound. May the Lord bless you. I shall send you the Comforter. Je vous enverrai le Comforter. The Spirit of truth. L'Esprit de la vérité. And it will guide you. Il vous conduira to all truth. Dans toute la vérité. Amen. Amen. I want to speak on the leadership of the Holy Ghost. Je voulais parler de la conduite du Saint-Esprit. Yes, sir. Yes. The leadership of the Holy Ghost. La conduite du Saint-Esprit. Why? Because we just spoke about the restoration. Pourquoi? Parce que nous venons de parler de la restauration. And God in the restoration process. Le Dieu dans la conduite est restauré. We read with you. Nous avons lu. He's restoring the church of God. Il est en train de restaurer l'Église. The church of the living. L'église de Dieu vivant. That's what God is restoring. C'est ce que Dieu est en train de restaurer. Brother Branham told us. Et Frère Branham nous a dit. In the church of the living God. Dans l'église de Dieu vivant. Christ himself. Christ lui-même. Is the head. Il est la tête. Are you together? Est-ce que nous sommes Christ ensemble? Himself. Christ lui-même. Is the leader. Il est le conducteur. Christ the Holy Ghost. Christ is the one that is supposed to lead the church of God. C'est celui qui devrait conduire l'église de Dieu. Are we together? That's why I'm speaking on the leadership of the Holy Ghost. La conduite du Saint-Esprit. Because he is the boss of the church. Parce qu'il est le patron. He is the manager of the church. Il est le manager de l'église. Everything goes around the Holy Ghost. Et toute chose part autour de du Saint-Esprit. Amen. Amen. He's the one that is supposed to lead. C'est lui qui devrait conduire. That's why Jesus tells us here. C'est parce que Jésus nous dit. He will guide you into all the truth. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Into all the truth. Et toute la vérité. He will guide you. Il vous conduira. I am leaving. Je pars. But he's coming. Mais il viendra. To guide you. De vous conduire.
The reason the Holy Ghost was given was for him to guide the church. Are we together? Yes. Jesus did not leave the church to Peter. Jésus n'avait pas laissé l'église He did not leave the church to Paul. Il n'a pas laissé l'église à Paul. He did not leave the church to Thomas. Il n'a pas laissé l'église à Thomas. He told them, "You wait here." Mais vous ici. Until the Holy Ghost come. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Do not go anyway. Ne partez pas d'ici. But stay in Jerusalem. Mais restez ici à Until the Holy Ghost come. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit Because he is the leader. Parce que lui, il est le And when he comes. He will tell you what to do. He will tell you how to go about. Il vous dira ce que vous devez do faire. Not do anything. Ne faites rien. He's the one il est who will teach you my teachings. Il vous enseignera mes choses. He will remind you what I taught il you. Vous souviendra de mes choses que vous avez dit. And he will teach you Et vous enseignera what I cannot tell you right ce now. Que je ne peux pas vous dire maintenant. He said, I have many things to tell J'ai you. Beaucoup de choses à vous dire. But you will not be able to hold it. Mais vous ne serez pas capable de comprendre. But when he comes, mais quand he will reveal it. To you. Il révélera cela en vous. Are you with me? Est-ce que there is things in the world il y a des choses dans le that dans you cannot understand que vous ne pouvez pas comprendre without the Holy Ghost. À sans le Saint-Esprit. There is things in the world il y a des choses dans la that God cannot give you que Dieu ne peut pas vous without donner the Holy Ghost. Sans que vous recevez d'abord le Saint-Esprit. Because men parce que l'homme led by the Holy Ghost qui est conduit par le Saint-Esprit wrote the scriptures. Il a écrit les the Bible that you see la Bible que vous is, voyez, the, is the Holy Ghost c'est le Saint-Esprit. That pushed men to write everything in the Bible. L'homme a écrit tout ce que vous voyez. Are we together? Est-ce qu'on est this whole Bible tout was Bible. Written by the Holy Ghost. C'était écrit par le Saint-Esprit. Using men. C'est à utilisant l'homme. And for you to understand, pour vous comprendre, for you to understand, pour vous de comprendre, you have to have the Spirit. Vous devez avoir l'esprit. That wrote this word. Qui a écrit cette parole. Otherwise, you will not understand it. Otherwise, vous ne comprenez pas. Yes, sir. He is the leader of the church. Il est le conducteur. But just to pay to place basements a little bit. Juste de mettre mes fondations. Amen. What does leadership mean? Qu'est-ce qui signifie le conducteur? Leadership or le conducteur is taken from leadership is taken from the word leader. Un conducteur est sorti des mots conduit. Or the word lead. Or de la parole conduit. Which means taking charge. Qui veut dire de prendre contrôle. Or to have command. Or to d'avoir la commande. Or being able to organize. D'être capable d'organiser. Or to direct. Or de diriger. That's what leading means. C'est ce que le conducteur veut And dire. The leader Et un conducteur is the person that takes command. C'est la personne qui prend les commandes. It's the person that leads. C'est la personne qui conduit. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? And the Holy Ghost will lead you. Et le Saint-Esprit vous conduit. That's why it's the leadership of the Holy Ghost. C'est pour cela c'est la conduite du Saint-Esprit. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham speaks a little bit. Frère Branham parle un peu. He speaks it in different places. Il parle dans il y a beaucoup de lignes. But I'm going to read a little bit here. Moi je vais lire. In the leadership. In the leadership. Now remember that the first step that any of us ever made. La première chose que nous devons faire. The first step. Or the premier pas que nous devons mettre. Somebody led us. Quelqu'un nous a montré cela. Your mother. Votre mère. You mothers remember the first step of that little junior and that little girl made. Vous les mamans vous vous souvenez de ces petits pas que le petit junior a fait. He's talking about the little children. Il parle de petits enfants. They don't remember it no more. Il ne se souvient plus. But somebody led your first step. Mais quelqu'un vous a conduit pour le premier pas. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Somebody led your first step. Quelqu'un t'a conduit pour tes premiers pas. And they don't remember. Mais ils se souviennent. I remember Billy Paul. Mais je suivais de Billy when Paul. He made his first step. Quand il commençait à prendre. Joseph and all of them. Et tous les autres. When they made their first step. Quand ils ont fait leur petite première pas. Amen. Amen. It's usually a mother that gets to lead a child to their first step. C'est normalement la mère qui conduit la petite bébé. Because she's at home while daddy is out working. Parce que la mère est à la maison quand le papa est au travail. Trying to make a living. Il est en train de chercher la vie. But it's they make their first step. Et ils ont fait leur première pas. And at night time when they come in, et the le father. Soir, quand ils reviennent, He's always saying, oh dad. Il dit toujours, oh papa. She said, Johnny and Mary, the little boy or the little girl,
can walk and come look. Elle dira que non, le petit junior ou le petit John, elle peut maintenant marcher. It's the mother that shows the father. C'est la mère qui maintenant démontre au père. Look what your seed is doing. Regarde ce que tes semences sont. And just one step. Première pas. Maybe mother had to hold. Peut-être la maman peut. And to hold the mother's fingers. Et elle pouvait aussi tenir sa main. Because she was kind of weak. Parce qu'elle était encore faible. And kind of turned sideways. Et elle partait un peu à côté. And you know you fall down a little. Et même vous connaissez, vous tombez un peu. So you had to hold to mama's hand. Mais la petite devait se tenir à la main de la maman. To make your first step. Boom. That's why you should honor your mothers. Vous devez confier à votre mère. You have to honor your mothers. Vous devez honorer votre mère. Are we together? Oh no, my mom doesn't believe. Let me stop here a little bit. Oh no, ma mère ne croit pas. No. Amen. Honor them. Vous devez les honorer. Because that's the first person. C'est la première personne. That helped you. Qui vous a aidé. No matter how much you disagree. Peu importe ce que with your parents. Avec vos parents. But remember. Mais souvenez-vous. They're the ones that led your first footsteps. Ils sont ceux-là qui vous ont conduit des premiers pas. Hallelujah. Amen. That's what the word says. C'est ce que la parole dit. Honor your father and mother. La parole dit honorez vos pères. Then you shall live long. Et vous vivrez longtemps. Hallelujah. Amen. Do not play with fire. Ne jouez pas avec le feu. No pastor can bypass that law. It's pas the law pasteur, of God. Pas le pasteur peut surmonter ces lois. C'est la loi de la parole. Amen. Amen. Now somebody helped you. Quelqu'un vous a aidé. When you made your first step. Quand vous avez fait vos premiers pas. And your last step you ever make in life. Et la dernière pas que vous ferez dans votre vie. Somebody will be leading you. Quelqu'un vous conduira aussi. See? That's right. Vous voyez, I want you to remember that. Je veux que vous this is the prophet speaking. Remember that. Souvenez-vous even your last step on earth, même somebody will lead you to your grave. Quelqu'un vous conduira somebody la has to bury you. Quelqu'un vous mettra dans la tombe. Hallelujah. Hallelujah. Your first step, somebody led you. And your last step, somebody will be leading you. Et la dernière aussi, quelqu'un vous conduira. We have to be led. Nous devons être conduits. It's not me, eh? Ce n'est pas moi. This is the messenger. C'est le messager. We have to be led. Nous devons être conduits. You know? Vous savez? God likened us unto sheep. Dieu nous fait comparer aux brebis. Yes, sir. And you know the sheep can't lead itself. Et les brebis ne peuvent pas se conduire. It will wander away and stray away. Et parce qu'il partira loin de ça. It just can't lead himself. Les brebis ne peuvent pas se conduire. And he has to have somebody to lead him. Il doit avoir quelqu'un pour le conduire. And sometimes the shepherd is supposed to lead the sheep. Le berger devait normalement conduire les brebis. Now, that was back in the days of the Lord Jesus. Et ça c'était dans le jour de Jésus. He was the good shepherd. Il était le bon berger. That led the sheep. Qui a conduit ses brebis. But today, mais aujourd'hui, see, we're living in another day. Nous vivons dans notre jour. Everything is changed. Tout a changé. And perverted. Et ça là est perverti. You know what man has to lead the sheep today? Est-ce que vous comprenez ce que l'homme peut faire pour conduire les brebis aujourd'hui? A goat. Un mouton. Amen. Amen. You know where the goat leads them? Est-ce que vous savez ce que le mouton peut faire? He leads them right into the slaughter. Il les conduit jusqu'à la boucherie. That the little sheep don't know where they are going. Que le conducteur ne sait pas là où il va. So the goat goes up. Et le mouton part juste là. And pen up the slaughter. Et juste à la boucherie. And the sheep don't know more than to follow the leader. Mais les brebis ne connaissent pas pour que à suivre le conducteur. So it leads them right up into the slaughter. Il les conduit tout droit à la boucherie. And then the goat jumps over the track. Et le mouton peut sauter. And the sheep goes and gets killed. Mais les brebis va tout droit pour être tué. See the goat. Mais le chef. The wrong leader. C'était un conducteur faux. Amen. Yes. But Jesus. Mais Jésus. The good shepherd. Le bon berger. Who led the sheep? Qui conduit he led them to life. Il les a conduits à la vie. Remember, he came to give you life. Souvenez-vous, il est venu pour vous he donner la vie. He led them to life. Il vous a conduit à la vie. And held them by the hand. Il les a soutenus par la main. Amen. Amen. See, somebody has to lead the sheep. Quelqu'un doit conduire les brebis. Amen. Amen. Somebody has to lead the sheep. Quelqu'un doit conduire les brebis. And Brother Branham is saying here, Amen. Jesus is the good
marcher. I want you to listen very carefully. Je veux que vous pouvez me suivre. If it's Pastor Joel, si c'est le Pasteur Joël, that is leading you, vous conduit, you're going to be led to slaughter. Vous serez conduit à la boue. But if it's the Lord Jesus Christ, si c'est le Seigneur Jésus Christ, the Word, la parole, the Holy Ghost, that leads you, qui vous conduit, then you're going to go straight to eternal life. Vous serez tout droit à la vie éternelle. Amen. Amen. The church, l'église, the secret of the church, les secrets de l'église. Amen. Amen. The strength of the church, la puissance de l'église. The strength of the revival, la puissance du réveil. Is the leadership of the Holy Ghost. C'est le conduit du Saint-Esprit. Are we together? Amen. That's what the devil came to destroy. Je sais que le diable est venu. He came to destroy the leadership of the Holy Ghost. Il est venu détruire la conduite du Saint-Esprit. Remember, he sent the insects. Me souvenez-vous là, vous voyez, the Holy Ghost les insectes pour repousser les insectes. The devil will do anything. Le diable fera tout. To have you push out the Holy Ghost. C'est d'avoir renvoyé les insectes. And when you push out the Et Holy Ghost, renvoyez les insectes. Don't worry. Ne vous souciez pas. You are already in His hands. You tire déjà dans ses mains. He knows that you are going to perish. Il connaît que tu vas périr. All He has to do, c'est qu'il doit faire, is remove you from God. Il se demande de te ramener un peu pour le. Alléluia. That's why pay attention to it. C'est pour cela que vous devez faire beaucoup de. The first thing in the restoration, la première chose dans la restauration, is restoring the authority of the word. C'est de restaurer l'autorité de la parole. It's restoring the leadership of the word. C'est de restaurer la conduite de la parole. It's restoring the Holy Ghost. C'est de restaurer le Saint-Esprit. In the church, dans l'église. That's what God is doing. C'est ce que Dieu fait. Because when he's there, quand il est là, everything will be good. Tout sera bien. Everything will be perfect. Tout sera it may not look perfect in your eyes. Ça peut paraître n'est pas but parfait. It will be perfect according to God. Mais ça sera parfait selon Dieu. That's why what men call folly, God calls it. C'est que les hommes appellent le folly. Dieu God calls it great. Dieu appelle what ça man bon. Calls great. C'est que les hommes appellent God bon. Calls it folly. C'est ce que Dieu appelle la folie. Amen. Amen. The leadership of the Holy Ghost. La conduite du Saint-Esprit. Brother Branham says, I'm still there, 29. Le parent Frenet. He says, il dit, now Mama has taught you to walk. La mère vous a montré comment vous pouvez. Papa has taught you to be brilliant and a nice young man. La maman vous a montré comment vous pouvez être un jeune homme brillant. Papa has taught you to be a bright man. Et le papa vous a montré comment vous pouvez how to take care of yourself. Comment vous pouvez prendre soin de vous-même? How to behave yourself. Comment vous devez comporter? Amen. The teacher has taught you an education. Mais le professeur ou l'enseignant vous enseigne l'éducation. It's very important. C'est important. Don't run away from school. Ne fuyez pas l'école. If you have a chance, si vous avez la chance, study. Allez étudier. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? In this age that we're living in, dans cet âge que nous vivons, if you're an illiterate, si vous êtes don't expect to win income. Donc vous ne serez pas messie de gagner l'argent. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? We're living in an intellectual age. Nous vivons dans l'âge de l'intellectualisme. It's important, brother Branham. C'est ce que nous avons besoin. Amen. The teacher taught you education. Le professeur vous a enseigné l'éducation. How to read and write. Comment lire et écrire. But now you are leaving papa. Mais maintenant vous quittez le papa. You are leaving mama. Vous quittez la mère. You are leaving the teacher. Et vous quittez aussi and somebody has to take you from there on. Quelqu'un doit vous prendre maintenant en charge. Now, who do you want to take you from there on? Maintenant, qui voulez-vous qu'il puisse prendre? After you have been educated, après avoir l'éducation, who do you want to take your leadership, to take you? Qu'est-ce que vous voulez qui peut prendre votre conduite? A child says, Jesus. L'enfant dit c'est Jésus. That's right. C'est juste. Jesus. Jésus. To take you from there on. De vous prendre de là jusqu'à la fin. Amen. Amen. Now that's a very good answer. C'est la réponse la plus. Jesus bien. Takes you from there on. Jésus vous prendra. After the education of your house. Après l'éducation. After the education of your school. Après l'éducation de l'école. The next one. La prochaine, it's the Lord Jesus Christ, c'est le Jésus-Christ who takes you qui vous prendra, and leads you to eternal life. Qui vous conduira dans la vie éternelle. Because with the education of your mother, avec l'éducation you de votre perish. Mère, vous perish. With the education of your father, avec l'éducation de you votre mère, perish. Vous with the education of school, avec l'éducation you de will perish. Vous périrez. But
You will have eternal life. Et tu auras la vie éternelle. Amen. The leadership of the Holy Ghost. La conduite du Saint-Esprit. Hallelujah. Yeah. It's the church. The church is supposed to be led by the Holy Ghost, l'église devait être conduite, which is Jesus himself. C'est Jésus lui-même. He said, I go back to the Father. Il a dit que je retourne au Père. I go back to the Father. Je retourne au Père. Amen. I came from the Father. Je viens de Père. And I go back to the Father. Je retourne au Père. Amen. Amen. Meaning I was the pillar of fire. Il avait dit, j'étais and I go de... back to being the pillar of fire. Je retourne pour être encore. I was the Holy Ghost. J'étais le Saint-Esprit. Because the Father of Jesus, parce que le Père de Jésus, is the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. The angel told Mary, l'ange a dit, the Holy Ghost will come upon you. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Amen. Now he goes back to being the Holy Ghost. The Holy Ghost is Jesus Christ. C'est Jésus-Christ. There is not three gods. Y a pas trois dieux. There's only one God. Y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. But with three different offices. Mais avec trois attributs. With three different dispensations. Avec trois différentes dispensations. Only the same God. Le même Dieu. Alleluia. Alleluia. Wearing different masks. Qui porte le différent masque. To do what? To, de faire quoi? To lead his people. Pour faire quoi? Pour conduire son peuple. Amen. Amen. And if you lose the leadership of the Holy Ghost, perdez la conduite, it's a big trouble. C'est un problème. That's where the failure is. C'est que le problème de that's where you lose everything. C'est là où vous perdez. Listen to the prophet. Écoutez votre in a guide. Dans le guide. 27. That's the trouble with the Christians today. C'est le problème avec l'église aujourd'hui. The Christians today. L'église aujourd'hui. They will wait till darkness settles over there. Les chrétiens aujourd'hui. Then you will find out you have left without the guide. On se rend compte qu'on est parti sans le guide. Amen. Amen. The guide. Le guide. Why? Did you ever see a man that's lost? Eh bien, avez-vous déjà vu un homme qui s'est égaré? Did anybody ever experience a bringing of a man a lost? Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu l'expérience de ramener un homme égaré? It's a pitiful thing you have ever seen. Il n'y a rien qui fasse plus pitié à voir. When a man gets lost, quand un homme s'égare, he goes wild. Il devient comme un fou. Ah. He don't know what he's doing. Il ne sait plus ce qu'il fait. We caught a man out there. Mais nous avons retrouvé un homme là-bas. A boy that's been lost in the woods. Un jeune homme qui s'est garé dans le bois. He was thought he was a ranger. Il pensait il était au fait de la rente. But he was in the wrong territory and got lost. Mais il n'était pas dans son territoire et s'est garé. Turned around and when they found him 3 days later, il a perdu son chemin et 3 jours plus tard, He was running like a wild man. Il courait comme un possédé. Screaming to the top of his voice. Il criait à toute sa tête. His lips all eaten up. Il avait les lèvres tout fondues. He threw his gun away. Il avait jeté son pistolet. He didn't know what to do. Il ne savait pas quoi faire. And when his own brother, mais quand son propre frère, his own brother, they had to catch him and tie him. Son propre frère, ils ont été obligés de l'attraper. When his own brother came to him, quand son propre frère, he fought him like an animal. Il a sauté dessus comme un animal. And tried to bite him. Il chercha le mort. He didn't know where he was at. Il était hors de lui. Why? Pourquoi? He was lost. Il était égaré. When a man is lost, et quand un homme est égaré, he's in a state of bewilderment. Il est dans un état d'irrecevant. Amen. He don't know that he's in that state. Il ne sait pas qu'il est dans cet état. Because his being lost sends him fever up on him. Parce que le fait d'être égaré lui donne le fièvre. He doesn't know where he's at and how he's acting. Il ne sait plus où il est, n'est pas conscient de son comportement. So it is like that with a man that's lost from God. Il est le même quand un homme est égaré. He will do things that he ordinarily wouldn't do. Il fera des choses qu'il ne fera pas normalement. He will do things that's beyond the thoughts of human beings. Il fera des choses qu'il est impassable quand il est égaré. When he's lost from God. A lost man from God. A lost church from God. A church that's gone astray from God. Gone away from the principles of God's Bible. Will do things sometimes that you wouldn't expect to find in the church.
trouver dans une église de vivants. Amen. They will get their money by bingo games. Ils se procureront de l'argent en faisant de l'auto, gambling, en faisant de l'auto, and anything they can do. En jouant de jeux d'argent. Don't teach anything. Ils enseigneront les pauvres. The doctrine is gone, right? Don't teach anything. Ils enseigneront les pauvres. And let it go and get by. Ils laisseront partout n'importe quoi. Amen. Amen. Pay a man on the bank who's big prayers in the church. Les hommes qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ils les passeront à la main dans les dos. Yes, and so forth like that. Et ainsi de suite. And let them get by with it. Et les laisseront s'en tirer comme ça. Hallelujah. Amen. Amen. Put deacons on the board that's been married 4 or 5 times. Mettre les diacres qui sont mariés 3 or 4 fois. And get by with it. Juste pour se débarrasser, débrouiller les côtés. Hallelujah. You see the church? Vous voyez l'église? Amen. You see what the church does? Est-ce que vous voyez ce que there's only one angel you've got to meet. Il y a un ange que vous devez rencontrer. No, one end that you have to meet, one corner. Donc, un point que vous devez rencontrer. That's your obligation. C'est votre obligation. Your obligation to God. C'est votre obligation à Dieu. Stand and tell the truth. Tenez-vous là et dites la vérité. Are we together? Amen. You have to do that. Vous devez stand faire. By the truth. Tenez-vous à la vérité. Lost man égaré, is in a bewilderment state. Il est dans un état d'arrestation. He's a madman. Il est un fou. Yes, sir. Amen. He's a madman. Il est comme un fou. Because he's lost. Parce qu'il est égaré. When you find a lost Christian, quand vous trouvez un homme qui est égaré, it's finished. C'est terminé. You have to tie them down. Vous devez les you have to put force on them. Vous devez exercer de la force. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? When you lose the leadership of the Holy Ghost, quand vous perdez la conduite du Saint-Esprit, according to the prophet, selon le prophète, you are a madman. Vous êtes un homme fou. You are a crazy person. Vous êtes un homme malade. You are an animal. Tu es un animal. Hallelujah. Amen. A man who fought the Holy Ghost, un homme sans le Saint-Esprit, is the same as an animal. Il est le même avec un animal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. For you to be a man, pour vous d'être in the image of God, à l'image you need the Holy Ghost. Vous devez avoir le Saint-Esprit. And the Holy Ghost has to be leading you. Et le Saint-Esprit devait vous être vous conduire. That's why you find a brother killing another brother. C'est ce que vous trouverez un frère et de tuer un. Why? Because he lost the leadership of the Holy Ghost. Parce qu'il a perdu la conduite du Saint-Esprit. You find a church killing another church. Vous trouverez l'église qui. Why? Because they lost the leadership of the Holy Ghost. Ils ont perdu la conduite. They will do things that you will not imagine the church of God to do. Vous n'imaginerez jamais que l'église se développe. They will do things that you will not imagine a Christian should do. Que un chrétien pouvait faire. Hallelujah. Hallelujah. It's because they lost the leadership of the Holy Ghost. Ils ont perdu la conduite du Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. And God et Dieu wants the church to be led by the Holy Ghost. Il veut que l'église doit être conduite par because what we read, comme nous he said the Holy Ghost will lead you. La parole dit que le Saint-Esprit vous conduira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God always leads. Dieu conduit toujours. He has always been leading. Il a toujours été un conducteur. In Exodus, dans les premiers exodus, he was leading the children of Israel. Il conduisait les enfants d'Israël. The Bible says, la Bible dit, he led them by night as the pillar of fire. Il les conduit par la nuit, par la and he led them by day as the cloud of glory. Dans la journée, c'était par la nuée de gloire. He was leading them. Il était le conducteur. And he told them, il les a dit, listen, my people. Écoutez, mon behold, I put my angel before you. Voici, je mis mon ange devant vous. He did not allow them to lead themselves. Il n'a pas permis qu'ils puissent être conduits. He placed an angel before them. Il a mis l'ange devant eux. He placed himself. Il s'est mis lui-même. In the form of the angel. Dans la forme de l'ange. To lead his people. De conduire son peuple. Hallelujah. Hallelujah. He does not want men to lead his church. Il ne veut pas que les hommes puissent conduire son peuple. Because the church. Parce que l'église. Is his wife. C'est sa femme. Amen. Amen. And nobody is supposed to lead your wife. Personne peut conduire ta femme. Amen. Nobody is supposed to lead another person's wife. Personne peut conduire un autre homme. And God cannot allow that. Et Dieu ne peut pas permettre cela. He's the only one. C'est lui le seul. That is the right to lead the church. Qui a le droit de conduire l'église. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? The devil has no right. Le diable n'a pas de no man has the right. Personne n'a le lead droit.
lead the church of the living God. De conduire l'église de Dieu. God is restoring his church. Dieu est en train de restaurer. And that church must be led by himself. Et cette église doit être conduite par lui-même. Alléluia. Alléluia. The Bible says. La Bible dit. Every footstep of the righteous. Que tout pas de un homme juste. Is ordered by God. Et conduit par Dieu. He verifies every footstep. Il conduit, il contrôle tout. And he is a very good leader. Est un bon conducteur. Not good. He's the best leader. Il est le meilleur conducteur. Are we together? He is the best that there is. Il est le mieux qui s'appuie. He's the leader that knows you. Il est le conducteur qui vous connaît. He knows you by your name. Il te connaît par ton nom. He knows your nature. Il connaît ta nature. He knows your family. Il connaît ta famille. He knows everything about you. Il connaît toutes choses à propos de toi. He even knows your pain. Il connaît même ta douleur. He knows your difficulties. Il connaît votre difficulté. That's why he's a faithful friend. Parce qu'il est l'ami fidèle. Because he is the one that really understands you. Il est le seul qui peut le te comprendre. Amen. Amen. He's not like any other leader. Il n'est pas comme tous les autres. Who does not understand you? Qui ne te comprend pas. He knows everything about you. Il connaît toutes choses à propos de toi. That's the kind of leader we have. C'est la, le type de conducteur que nous avons. He knows you by your name. Il te connaît par ton nom. If God wants to visit you, si Dieu veut te visiter, he knows your address. Il connaît ton adresse. He knows your house. Il connaît ta maison. He knows your bedroom. Il connaît même ta chambre. He knows where you sleep. Il connaît là où he tu knows dors. Where you pray. Il connaît là où tu pries. He knows your business. Il connaît tes affaires. He cares for you. Et il prend soin de toi. Amen. Amen. He cares for you. Il prend soin de toi. But he wants you. Mais il veut que to let him lead you. Que vous puissiez l'autorité. He does not want you de le laisser to lead yourself. Il ne veut pas que vous pouvez conduire vous-même. By your own understanding. Par votre propre compréhension. That's what the Bible says. C'est pour cela que la Bible my dit. My son, mes fils, lean not on your own understanding. Mon fils, ne t'appuie pas dans ta propre compréhension. Hallelujah. You can have a good understanding. Tu peux avoir une bonne compréhension. But it's not necessarily the will of God. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. The best understanding. La meilleure compréhension. Is the will of God. C'est la volonté de Dieu. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Jesus came. Jésus est venu. So that we can do the will of God. Que nous pourrions faire la volonté de Dieu. And what is the will of et God? Et qu'est-ce que la volonté? Hallelujah. Hallelujah. The will of God. La volonté de Dieu. Is to receive, to know Him. Hallelujah. De le connaître. The one true God. Lui le Seigneur Dieu. To receive His servant. Et de recevoir son that He has sent. Qu'il a envoyé. That is even eternal life. C'est que même la vie éternelle. The will of God. La volonté de is Dieu. Is to receive. C'est de recevoir. The one He has sent. That God has. C'est ce que Dieu a envoyé. Hallelujah. Amen. 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 I thought I'm going to see God. Ah, je pensais que je devais voir Dieu. Leading me like this. Je me conduis comme cela. No, that's your perception. Mais ça, c'est votre conception. Amen. Amen. The angel was before them. L'ange était devant and eux. And the angel led Moses. Et l'ange conduisait. And Moses was the one telling the people what the angel said. Et Moïse était celui qui disait aux gens ce que l'ange a dit. Amen. Alors, the leadership of God. La conduite de Dieu. Is by His man. C'est par l'homme. That He has sent. Par l'homme qu'il a envoyé. Amen. Amen. When a man is not sent by God. Quand un homme n'est pas envoyé de Dieu. It's not the leadership of God. Ce n'est pas la conduite de it's Dieu. It's a goat. C'est le mouton. It's the devil. C'est le diable. I don't care how he preaches. Je m'en fous de I don't care how many miracles you see. Je m'en fous de combien if de God miracles. Never sent him. Si Dieu n'a la of God. C'est le diable qui est en train d'envoyer. It's not the will of God. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Are you with me? Est-ce qu'on est ensemble? God only leads. Dieu conduit simplement. Through the man that He has sent. Au travers de l'homme qu'il a envoyé. That's the word. C'est la parole. Amen. Amen. The Holy Ghost is the church of the word. Ah, le Saint-Esprit c'est l'église de Dieu. Listen to Brother Brenner. Paragraph 30. The guy has understanding. Ils ont la compréhension. How to go and what to do. Comment ils peuvent aller et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Amen. Amen. God always sent a guide to His people. Dieu a toujours envoyé un guide par son peuple. God has never failed to send a guide. Dieu n'a jamais manqué d'envoyer un guide. Amen. But you have got to accept the guide. Mais vous devez accepter ce guide. You've got to believe it. Vous devez le croire. You've got to go the way He says. Vous devez prendre la direction qui if you get into the wilderness, si vous allez dans une région and your guide says, et que votre guide dit, let's go this way,
Nous prendrons cette direction. And yet you think you go that way. Mais vous pensez que c'est cette direction-là. You are going to get to come up lost. Vous allez être égaré. God sends us and sends a guide to us. Dieu nous envoie un guide pour nous. And we've got to follow that guide. Et nous devons suivre cette guide. No matter what we think. Peu importe ce que vous pensez. Alléluia. Amen. Is there children of the prophet here? Est-ce qu'il y a des enfants des prophètes ici? What looks reasonable and what looks ridiculous? We are not subjects to divide that. Nous ne sommes pas les mêmes de juger. The guide is the only one. C'est l'affaire de Dieu et lui seul. God in the Old Testament, Dieu dans l'Ancien Testament, sent prophets. Il a envoyé des prophètes. They were guides. C'était des guides. Because the word of the Lord gives to the prophets. They were guides. Ils étaient les guides. They instructed the people. They instructed the people. Ils donnaient l'indication aux gens. Amen. As we saw last night, Isaiah and Musa. Comme nous avons vu la soirée. They was instructed. Par des anges. They instructed the people and guided them. Ils recevaient des directives et donnaient des directives. And now God always sends His guides. Donc Dieu toujours envoie ses guides. Ha. He always never been without a guide. Il n'a jamais eu un temps où n'a pas eu de guide. All through the ages. Tout au long de God always had somebody that represented him on this earth in all the ages. Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre dans toutes les âges. Amen. Hallelujah. He always had a guide. Il a toujours eu un guide. 33. God sends a guide. Dieu envoie un guide. And God wants you to remember that that's His appointed guide. We must remember Him. Here it says, Jesus said, I will not leave you, but I'll pray the Father that He will send you another comforter. And this comforter, when He was to come, was to guide us to all the truth. Amen. And the word of God is the truth. Amen. And the word is Christ. I am the way, je suis le the truth, la vérité, and the life. La he is the way. Il est la parole. That is the guide of God. C'est lui le guide de Dieu. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. That's what God wants. C'est ce que Dieu veut. Brother Branham says, I'm back to leadership. The leadership is the Holy Ghost. Le conducteur, c'est le Saint-Esprit. It leads you. Il vous conduit. And guides you into all truth. Et vous guidera dans toute la vérité. When the Holy Ghost comes, quand le Saint-Esprit vient. Now think of that. Pensez-y. Take the thinking man's filter. Now, prenez un filtre qui n'a qui. That's the Bible. C'est ce que la Bible dit. Not your creed. Ce n'est pas votre credo. Not your church. Ce n'est pas votre église. You'll be lost. Tu seras perdu. Take the thinking man's filter. Mais prenez le filtre de l'homme qui réfléchit. Amen. Now you take the thinking man's filter. Et vous prenez ce que l'homme, la filtre de l'homme. Comme Jesus Christ. Virgile, Jésus Christ. Comme the word. Virgile, la parole. And you will have a, you will desire a holy person state. Et vous devenez la plus bonne personne d'être. But it, because it will satisfy that. Et cela prendra, donnera des satisfactions. If you've got the Holy Ghost in you, quand vous avez les satisfactions, it satisfies a holy life. Cela satisfait la vie de saint. Amen. Amen. The Holy Ghost. Le saint. The leader of the church. Le conducteur de l'église. Amen. Amen. The leadership of the Holy Ghost. La conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. He's the one. C'est lui to lead the church. Il va conduire l'église. But he uses men. Mais il utilise les hommes. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Brother Branham said. Brother Branham dit. Listen to this. Écoutez ceci. The spiritual food in due season. 167. La nourriture au temps convenant. Yes, sir. And if he appeared in a physical body. Et s'il apparaissait ici dans la part. Jesus, hein? Jésus apparaissait ici dans sa corps physique. Look just exactly like orphans made of Christ at 33. Et démontre comme si
Il paraît dans ces langues de Hoffman. And had blood running out of his hand and so forth. Et le sang coulait dans ses mains. Amen. Amen. And scars all over him. Et les cicatrices tout au long. I wouldn't accept it. Je ne croyais pas. No, 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 no. No, 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 no. When he comes himself. Every eye shall see him. Every tongue shall confess him. And as the lightning comes from the east to the west, so shall it be. See, we don't believe these cults and claims. We believe God is the way. Amen. Once is the age, but he embodies himself. Il s'incarne. Are we together? Yeah. We believe he's the word. Nous croyons qu'il est là-bas. He's the leader. Il est le but what does he do? Mais qu'est-ce qu'il fait? He embodies himself. Il s'incarne. Taking your body. Il prend votre and my body. Et mon corps. And gives you gifts. Il vous donne des dons. Gives me gifts. Il me donne des dons. And through these gifts, et c'est au moyen de ces dons, he makes himself known. Il se fait connaître. That's the secret. C'est ça le secret. Of the leadership of the Holy Ghost. Le de la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He has to take bodies. Il devait avoir des corps. To lead his church. De conduire son église. He's the leader. Il est le conducteur. But he has no hands. Mais il n'a pas de mains. Except your hands. Mais que vos mains. He has no eyes. Il n'a pas de yeux. Except your eyes. Que vos yeux. He has no legs. Il n'a pas de pieds. But your legs. Mais votre he has no mouth. Il n'a pas de bouche. But your mouth. But, mais vos hallelujah. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. What to lead? But he needs your hands. Mais il a besoin de he needs my hands. Mais il a besoin de to lead his church. Pour conduire son église. Hallelujah. Hallelujah. That's why it's not an individual. C'est pour cela, ce n'est pas l'affaire de l'individu. He said he takes your body and my body. Il a dit, il prendra votre corps et mon corps. It's not one individual. Ce n'est pas un individu. It will not work. Cela ne marchera pas. But he leads the church. Mais il conduit l'église. Through every individual in the body. Au travers de chaque individu dans le corps. Amen. Amen. That's why. That's a book. Do not neglect your brethren. Ne négligez pas votre frère. Do not neglect your sister. Ne négligez jamais votre because the Holy Ghost. Parce que le Saint-Esprit can pass them. Il passera par là. And if the Holy Ghost passes et there. Si le Saint-Esprit passe and par you là, neglect it. Et toi tu you have rejected God himself. Tu as rejeté Dieu lui-même. Hallelujah. Amen. Be quick. Soyez bon. To understand the leadership of the Holy Ghost. La conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. There's people that say no. Only one brother Branham said. Il y a des gens qui disent non, c'est seulement les frères Branham. That's the word of God. C'est la parole de Dieu. And that's the main guy. C'est lui le guide. But the Holy Ghost has to come and take what brother Branham said. Devait venir prendre ce que and make it live in us. Et mettre ça vivifiant. Amen. Because the word. Parce que la parole. It's not the scriptures. Ce n'est pas les écritures. The word. La parole. It's not the tapes. Ce n'est pas les bandes. The word. Mais la parole. It's the sons and daughters of God. C'est les fils et les filles de Dieu. The tapes speak about the word. La de bandes parlent de la parole. The scriptures speak about the word. Les écritures parlent de but the word is a person. Mais la parole c'est une personne. It's Christ himself. C'est Christ lui-même. Yes. Who had all of us in him. Qui avait tout notre nom en lui. Brother Branham says, you are the interpretation of the word. Vous êtes l'interprétation de la parole. If you want to know the interpretation of the message, si vous voulez voir l'interprétation, find the message believer. Trouvez-vous un croyant du message. You are the interpretation of the word. Vous êtes l'interprétation de la parole. At this end of time, dans ces derniers jours, hallelujah, hallelujah. The word, la parole, is the manifestation of the promise. C'est la manifestation de la promesse. When God fulfills, quand Dieu accomplit, the written word, la parole écrite, it becomes the manifested word. Cela devient la parole manifestée. And that's the true Holy Ghost. C'est cela le véritable Saint-Esprit. Without you, sans vous, the Holy Ghost cannot lead this church. Le Saint-Esprit ne fera rien dans cette église. Amen. Amen. Without you, sans vous, the Holy Ghost cannot heal. Le Saint-Esprit ne peut pas. That's why he said, you lay your hands on the sick. Et pour cela, vous
imposerait les mains aux malades. Amen. Amen. He needs to pass through your hands. Il doit passer par tes mains. He needs to pass through you. Il doit passer par vous. And you must submit yourself to his leadership. Et vous devez vous abandonner dans son conduit. That's what the church needs. Je sais que l'église veut. The leadership of the Holy Ghost. La conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Brother Nam says. Brother Nam dit. There's the people that say. Il y a des gens qui disent. I want the word only. Je veux la parole seule. Nothing but the word. Rien que la parole. Brother Nam says. Brother Nam dit. The word. La parole. The written word only. La parole écrite seulement. Is not the gospel. Ce n'est pas l'évangile. I'll bring it next week. Je the gospel. L'évangile is demonstrating the written word. C'est démontrer la parole écrite. And we are supposed to preach the gospel. Nous devions prêcher l'évangile. You are not supposed to preach the word. On n'était pas supposé de. We are supposed to preach the gospel. De prêcher la parole, mais prêcher l'évangile. Amen. Preach the gospel. Prêcher l'évangile. Bring the gospel. Amener l'évangile. To every creature. Dans toute la nature. Hallelujah. We're supposed to preach the gospel. Nous devions prêcher l'évangile. Amen. Amen. When you take the scripture alone, quand vous prenez les écritures, you are going to die. Vous mourrez. That's what the Bible says. C'est que la Bible dit. The letter kills. La lettre. But it's the spirit. Mais l'esprit that gives life. C'est ça qui vivifie. Amen. Amen. The spirit. L'esprit. Gives the life of the word. Vivifie la vie de l'homme. And if you don't have the Holy Spirit, et si vous n'avez pas if a church does not have the Holy Spirit, si l'église n'a pas le Saint-Esprit, that church is going straight to death. Cette église part directement à la mort. Amen. You are going straight to death. Vous partez directement. When you don't have the Holy Ghost, quand vous manquez l'esprit, when the Holy Ghost is not leading you, quand le Saint-Esprit ne vous conduit pas, that's the reason the church is weak. C'est la raison pour laquelle l'église est faible. That's the reason we have weak Christians. C'est pour cela nous avons des chrétiens faibles. Amen. Amen. They're like Samson. Ils sont comme des Samson. Their hair is not there. Leur chevelure n'est pas là. Brother Nam said the hair of Samson. Brother Nam dit les cheveux de Samson. Was the leadership? Of the Holy Ghost. C'était la conduite du Saint-Esprit. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? The head of Samson. La chevelure de Samson. Was the leadership of the Holy Ghost. C'était la conduite du Saint-Esprit. You can have all the promises all you want. Vous pouvez avoir toutes les promesses que vous voulez. But the strength of the word. Mais la parole. Lies in the leadership of the word. Cela dépend de la conduite du Saint-Esprit. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. He's the one that says. C'est lui qui a dit. Now it's time to apply Mark 16. Maintenant, c'est le moment d'appliquer Marc 16. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? He's the one. C'est lui qui dira. That will say. Qui dira. Now it's time for Malachi 4 to be fulfilled. C'est le temps d'accomplir Malachi 4. Amen. Amen. He's the one. C'est lui. That knows the correct time. Qui connaît le moment propice. The right moment. Le moment propice. To do something. De faire quelque chose. Amen. Amen. Because people forget something. Mais les hommes oublient. In the principles of God. Dans le principe de Dieu. There's a factor that is called the time of God. Il y a un principe qui est dit le temps de Dieu. If the time of God is not there, quand si le temps de Dieu n'est pas là, you can be Jesus. Vous pouvez rencontrer Jésus. Your ministry will not work. Votre ministère ne marche pas. For the ministry of Christ, pour le ministère de Christ, to work, de marcher, he had to be 30 years old. Il devait arriver à 30 ans. Are we together? And the Bible says, la Bible dit, led by the Holy Ghost, conduit par le Saint-Esprit. Jesus went to the wilderness. Jésus est parti dans le désert. 40 days and 40 nights he did not eat. Pour 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé. Led by who? Conduit par qui? The Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. The Holy Ghost took him to the training. Le Saint-Esprit l'a amené dans un the Holy Ghost took him and said, now is the time. Le Saint-Esprit l'a amené, maintenant c'est le moment. If the Holy Ghost doesn't give you a go, si le Saint-Esprit ne vous donne pas le go, it's you. C'est vous-même. Amen. Amen. Moïse failed. Il a échoué. Until the pillar of fire came. Jusque que le Saint-Esprit est revenu. But he was born a prophet. Mais il était né un prophète. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? He was born with that gift. Il était né avec cette gift. He was born that mighty prophet. Il était né avec cette mighty. But he could not be successful. Puissant prophète. Il ne pouvait pas réussir. Until the Holy Ghost. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit leads him. Le conduit. That is the secret of the success. C'est ça même le secret du succès. Amen. Amen. And the church of the living God l'église de Dieu is supposed to be successful.
Il devait être succès. Amen. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. If you leave the leadership of the Holy Ghost, quand vous quittez la conduite du Saint-Esprit, you fail. C'est là que vous tombez. Are we together? Yes. Jesus led by the Holy Ghost. Jésus était conduit par le Saint-Esprit. He did nothing. Il n'a rien fait. Except what the Father showed him. Sans que le Père puisse le montrer. Hallelujah. Amen. If you go away from this secret, quand vous quittez cet secret, that will be it. Cela sera cela. If you move out from that secret, quand vous quittez cet you secret, will not be successful. Vous ne serez pas, vous n'aurez pas de succès. The success is in the leadership of the Holy Ghost. Le succès est dans la conduite du Saint-Esprit. Amen. 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 The Pharisees, les Pharisiens, read the same word. Ils ont lu la même parole. We are about to close. Read the same word. Ils ont lu la même parole. That Jesus read. Que Jésus a lu. Huh? Yeah. He did not bring a new word. Ils n'ont pas amené l'autre parole. Amen. Amen. But because of the Holy Ghost, mais parce que he put that word into work. À cause du Saint-Esprit, il a mis cette parole à l'œuvre. Because of the Holy Ghost, à cause du Saint-Esprit, that word, cette parole, you could not see the power that was in the word of God. Vous ne pouvez pas voir la puissance qui était dans la parole. Amen. Amen. Outside of the leadership of the Holy Ghost, en dehors de la conduite du Saint-Esprit, it's your traditions. C'est vos propres traditions. It's the traditions of your elders. C'est la tradition. That's why Jesus said, because of your traditions and the traditions of your elders, you have made the word of God to be of no effect. Hallelujah. The Holy Ghost leads the way, the word. The way he wants it to be led. La manière qu'elle veut qu'il puisse être conduit. That's where the success is. C'est là où le succès. There was a man called Simeon. Il y avait un homme appelé Simeon. Amen. God promised him. Dieu l'a promis. The Bible said the Holy Spirit. Il a dit que le Saint-Esprit promised him. L'a promis. That he will not see death. Il ne mourra pas. Until he sees the Messiah. Jusqu'à ce qu'il voit le Messie. He had the promise. Il avait la promesse. But he held on it. Il était accroché à ça. And he stayed there. Et il s'était tenu à until ça. One day. Jusqu'à un jour. One morning. L'un des when they were dedicating the baby Jesus. Quand on dédiait les enfants Jésus. Brother Branham said. He was reading the scripture. Il lisait, il méditait sur l'écriture. Where it says, a sheep we were led astray. Il méditait ici là où l'Écriture dit que les brebis sont conduits. They had no leader. Ils n'avaient pas le conduit. There was no Holy Ghost. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et Brother Branham says, when he was reading that, quand il méditait ici, the Pharisees, les Pharisiens, were busy dressing up. Ils étaient en train de se habiller. Like many of us are dressed this morning. Comme beaucoup de nous sommes habillés. They were ready to go to church. Nous sommes prêts d'aller à l'église. But away from the Holy Ghost. Mais au loin de le Saint-Esprit. They were ready to go. Ils étaient prêts d'aller. To just speak their traditions. Seulement de parler leurs traditions. And Brother Branham says. Et Papa Branham dit. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Came upon him at that moment. Il est descendu sur lui. And began to lead him to the church. Le Saint-Esprit a commencé à conduire à l'église. An old man. Led by the Holy Ghost. Conduit par le Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. And he got to the church. Et il est entré à l'église. Are you with me? Est-ce que vous êtes and he took the baby. Il a pris l'enfant. There was maybe many children. Il avait beaucoup d'enfants. And he took that baby. Mais il a pris ses petits enfants. And he said, now. Il a dit maintenant. I can rest in peace. Je peux maintenant aller en paix. When the Holy Ghost is upon you, quand le Saint-Esprit est sur vous, you can rest in peace. Vous pouvez rester maintenant en paix. That is where the secret is. C'est là où le secret. Because of the time. Pour le temps, we're going to close. Nous vous devons conclure. Amen. Amen. Let us stand on our feet. Levons-nous dans nos pieds. Amen. The Holy Ghost, le Saint-Esprit, is the leader. C'est le conducteur of the church. De l'église. We'll go deeper by God's grace next nous week. Nous allons profondir par la grâce de Dieu. And that's where you will have the success. C'est là où vous serez en succès. That's where the power is. C'est là où la puissance that's est. That's where deliverance is. C'est là où la délivrance est. That is what God gave us. C'est ce que Dieu nous a donné. And that's what God is restoring. C'est ce que Dieu restaure. The leadership, la conduite of the Holy Ghost. Dieu du Saint-Esprit. Not the leadership of a man. Ce n'est pas la conduite d'un homme, but the leadership, mais la conduite of the Holy Ghost, du Saint-Esprit, by His word, par sa parole. We'll go into many examples. Nous irons dans beaucoup d'exemples. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Are you happy? Est-ce que vous êtes content? Are you happy? Est-ce que vous êtes content? Let us applaud for the Lord. Donnons la main à Dieu. Amen. Let the Holy Ghost lead you. Let the Holy Ghost lead you.
laisse que lui lead you. Vous conduit. Amen. Amen. Let the word laisse que la parole lead you. Vous conduit. By its spirit. Par son esprit. You will be successful. Vous serez en succès. You will be very successful. Vous serez en succès. Vous aurez le succès. Things might seem difficult. Les choses peuvent paraître difficiles. Things might seem impossible. Les choses peuvent paraître impossibles. But when the Holy Ghost is leading you, mais quand le Saint-Esprit vous conduit, you will succeed. Vous serez dans le succès. You will be victorious. Vous serez victorieux. And you will be a true church of the living God. Et vous serez l'église propre de Dieu. We don't do things the way we want to. Vous ne ferez pas des choses comme we do things the way the Holy Ghost tells us to do. Vous ferez des choses selon la conduite du Saint-Esprit. Are we together, Lord? Est-ce qu'on est ensemble? We do as the Holy Ghost leads us. Nous ferons comme le Saint-Esprit nous lead. Hallelujah. And the Holy Ghost et le Saint-Esprit will never ne vous conduira jamais. Lead you away from his own ne vous conduira jamais loin de sa parole. Because he wrote his word. Parce qu'il a écrit ça. He will never deny his own word. Il ne niera jamais sa parole. Let us pray. Prions. Amen. Amen. Let us close our eyes. Fermons nos yeux. And we're going to pray. Nous allons prier. Amen. Let us pray. Prions. Let's pray the Lord. Prions le Seigneur. We're already at the end. Nous sommes à la fin. Father, we thank you for this moment. Dieu, nous te remercions pour ce moment. We've gone to the end of our service. De nous amener jusqu'à la fin de ce service. May you bless the each and every one, oh Father. May you bless your people that will take over the hall. May you bless your children, oh Father. Bless us and lead us according to your leadership. For that is the most essential thing. Forgive our lackings and where we failed. In Jesus Christ's name we pray. May you bless the titan offerings. Amen. 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 May the Lord bless you. May the Lord bless you. We've got to the end of our service. Nous sommes à la fin de notre service. You can dismiss. Nous pouvons sortir. Greet your brother. Salut à vos frères. Greet your sister. Salut aussi vos sœurs. Amen. We apologize to First Parish. Nous excusons à l'église Parish. That's the new program that I told you about. C'est le programme que je vous ai dit. Amen. Amen. But we could not start it until today. Mais nous ne pouvions pas le commencer jusqu'aujourd'hui. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.